Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, où en ce soir nous accueillons la dépouille mortelle du président Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui après 2 ans retourne sur la terre de ses ancêtres. Cet avion qui vient de stationner vient de déposer ici les corps, la famille du président Étienne Tshisekedi. Les officiels sont rangés et bientôt le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi wa Tshilombo, va sortir pour aller recevoir le corps du président Tshisekedi, l'ancien Premier ministre, leader de l'UNDPS et le plus grand leader de l'opposition en RDC. Autant vous dire, mesdames, messieurs, que ce soir, le pays s'est arrêté de vivre. Nous sommes tous, certains devant les radios, d'autres la télé, et ceux qui en ont la chance ici à l'aéroport de Njili pour vivre ce moment historique, le retour de la dépouille du père de la démocratie, le héros national Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui, après 37 ans de lutte, aujourd'hui, l'UDPS, dans une coalition avec CASH, l'INC, est arrivé au pouvoir de façon pacifique, comme l'a toujours été l'idéologie de ce grand homme. Comprenez, le moment est solennel. Vous écoutez de loin la fanfare militaire qui se met en place. Les honneurs lui seront rendus du fait de son rang d'ancien Premier ministre et commis de l'État. Ici à l'aéroport, les visages sont sérieux. Chacun retrouve de l'émotion. L'émotion que nous avons connue il y a 2 ans. Voilà. L'aéroport d'Njili refusé du monde. Dehors, dans la rue, la foule est compacte. Malgré que nous sommes 19h30, je peux vous garantir que l'effervescence n'en demeure point. Je salue tous les patriotes qui nous suivent de Bruxelles, de Paris, de Londres, d'Afrique du Sud, du Canada, d'Australie, de Nairobi aussi, de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, partout où vous êtes. Nous vous saluons et nous vous convions à vivre avec nous ce moment historique, celui où le corps du leader, on ne dira même plus leader de l'opposition, mais le leader de la RDC, le père de la démocratie, cet homme qui a tout donné pour qu'on en arrive là. Oui, aujourd'hui, mort au front, son corps revient sur la terre de ses ancêtres. Ici le lieu pour nous de rendre hommage à Maman Marthe, cette maman courageuse, digne, très engagée, qui au fil des années est restée aux côtés du grand leader. Voilà. Aujourd'hui, Maman Marthe revient aussi à Kinshasa. Nous sommes heureux de la recevoir, heureux de recevoir tous les membres de la famille qui sont restés à Bruxelles durant tous ces temps. Et surtout, journée spéciale pour rendre hommage à ce grand leader, ce leader qui a mené un combat basé sur la non-violence, mais sa détermination était très forte. L'UDPS, considéré comme la fille aînée de l'opposition, a gagné ses galons au front dans un combat démocratique non violent. Et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui ici en alliance avec l'INC qui prône aussi la non-violence. Et c'est le ticket CASH qui a abouti au couronnement du combat mené par ce grand homme, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Dans quelques instants, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, va sortir de ce salon d'honneur pour aller recevoir la dépouille mortelle
de notre papa, son papa, notre président, notre leader, décédé il y a 2 ans. Autant vous dire, mesdames, messieurs, que nous vivons un moment réellement historique. Toutes les têtes couronnées de la lutte sont ici. Des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, de la diaspora comme de Kinshasa. J'en reconnais ici quelques-uns venus rendre hommage à Étienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est un grand jour pour nous tous. Et nous n'allons pas baisser les bras. Et nous tâcherons bien sûr de suivre son testament, le peuple d'abord. L'avion qui a amené le corps du président Tshisekedi se trouve là. Je salue mon frère Blaise Mayemba depuis Sofia. L'INC France, UDPS Bruxelles, nos amis de Sao Paulo. À tous, nous disons bonsoir, bonjour. Il fait un temps merveilleux. Curieusement, aujourd'hui, il ne fait pas chaud. Un petit vent qui souffle sur le drapeau que vous apercevez là. L'émotion gagne petit à petit les esprits. Chacun se souvient de ce grand homme à sa façon. Un mot, un regard, un conseil. C'était aussi une oreille pour beaucoup qui devaient se confier à lui. Parce qu'au-delà, c'est d'abord un autre papa. Et voilà, ses enfants sont rangés ici pour lui rendre honneur et l'accompagner jusque dans sa dernière demeure. Plusieurs officiels sont là. Le premier ministre, le vice-premier ministre, les maires de la ville, quasiment tous les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de l'armée, de la police. Bonsoir à tous, bonsoir à Gilbert, bonsoir Cristiano depuis la Suède. Ensemble, nous allons vivre ce moment autant que nous le pourrons. Si nous avons toujours la connexion, bien sûr. Bonsoir mon frère Girard,
alobi base nde base on est ensemble de José, c'est normal que nous puissions partager ce moment avec vous tous, vous les militants de première heure. Selon les programmes tels qu'annoncés ici, les corps Pumba les connaît. Oui. Voilà, nous sommes à l'aéroport.
chef est sorti, s'est levé. Et ici, je pense qu'il va retourner encore au salon. Voilà Maman Marthe qui est arrivée. Voilà, donc Maman Marthe, l'épouse du président Étienne Tshisekedi, vient de descendre de l'avion. Elle a été accueillie par son fils, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont retournés au salon d'honneur et bientôt, je pense que tout va se mettre en place pour que le cortège se branle en direction de la morgue du cinquantenaire. C'est ce qui est prévu et donc nous attendons ici le signal. On retrouve ici des combattants de les combattants de première heure sont ici à Kinshasa. Voilà André de Kinshasa, vous pouvez voir ici. Voilà, M. Benoît Kassadi, le protecteur du directeur de cabinet du chef de l'État, avec toute son équipe déployée ici à l'aéroport d'Ndjili pour organiser cet événement historique. J'aperçois Abraham Lokabwanga là-bas, c'est en train de faire son travail.
directeur de la presse présidentielle. Soit ici Maître Chabani, président de la commission électorale de l'UDPS, soit ici le président François Mamba, le président Vidier Tumanga, conseiller spécial. Je vois ici Babi Balukuna et d'autres combattants, des amis venus de partout, de la RDC et de la diaspora. Venir rendre hommage au président de l'IDPS.
nous allons rester ici le temps que le sortège se mette en place. Voilà. Le corps du président est sorti. Tout à l'heure, le convoi va s'ébranler. De nouveau, on sera avec vous. Restez connectés et n'oubliez pas demain, stade des martyrs, le peuple de la RDC va rendre un vibrant hommage au père de la démocratie, le héros national, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Demain, stade des martyrs, nous y serons tous. Voilà. Nous allons rejoindre les salons d'honneur et ensuite le convoi pourra s'ébranler. J'aperçois ici la présidente de l'Assemblée nationale qui s'en va vers son véhicule. Le premier ministre Bruno Tshibala a été de la partie aussi. Et tous les autres officiels, bien sûr.